Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir dans Tête à Tête. Nous allons parler agriculture. Je m'entretiens avec un jeune entrepreneur qui a créé sa start-up au Sénégal, dans le milieu agricole. Ibrahim Afay, bonsoir. Bonsoir, Pamela. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous d'être venu. Merci d'être venu ici dans nos locaux chez Sénagriculture. Juste pour présenter un peu Sénagriculture, ce que nous faisons, on est une start-up qui évolue naturellement dans le secteur de l'agriculture avec un grand A, c'est-à-dire agriculture, élevage, agroalimentaire, d'accord, avec trois offres de services qui sont la communication, la formation et l'accompagnement aux entrepreneurs agricoles. Très bien. Toujours dans la présentation, qui Ibrahim a fait revenir sur votre parcours professionnel? Alors, avant le lancement de votre start-up, Start-up. Alors, mon parcours professionnel, il a commencé au Canada. J'ai fait mes études ici au Sénégal jusqu'au bac. Après, je suis parti poursuivre mes études au Canada. D'accord. J'ai commencé par contre l'entrepreneuriat assez tôt, à l'âge de 18 ans. C'était ma première année au Canada. Une certaine folie m'a pris et j'ai décidé de démarrer une entreprise là-bas qui faisait de la sous-traitance de marketing. D'accord. Pour des sociétés dans le domaine de l'énergie et des télécommunications. D'accord. Donc, en même temps, je poursuivais aussi mes études à l'université en administration des affaires. Bon, au bout de 3 ans, ça marchait bien. Après, on a eu quelques problèmes, donc on a décidé d'arrêter. Vous étiez seul ou... J'étais seul. J'étais seul avec une équipe qui était peut-être un peu plus de 10 personnes. D'accord. Et donc, on a décidé d'arrêter. Bon, j'ai décidé de poursuivre mes études. Après mes études, j'ai travaillé quand même parce que je pense qu'il fallait un peu avoir de l'expérience. Tout à fait. En milieu professionnel. Mmh. Donc, j'ai travaillé au niveau de Montréal dans des structures de marketing, des sociétés qui sont dans l'événementiel. Ensuite, je suis parti au niveau de l'Alberta, qui est un État qui se trouve au niveau de l'Ouest. Au Canada, toujours. Du Canada, voilà. Particulièrement dans la ville de Edmonton, d'accord, où j'ai travaillé dans les champs pétroliers. Alors, c'était une expérience assez spéciale, parce que bon, c'était beaucoup de terrain. Énormément d'heures de travail, on a, je pense que j'ai beaucoup appris. J'étais avec des gens très expérimentés, donc j'ai travaillé dans les ressources humaines là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pour Ford. Et après, en 2015, j'ai décidé de revenir au Sénégal et de me relancer dans le secteur agricole. Pourquoi le secteur agricole? Alors, en étant étudiant, je travaillais pour une ferme. C'était la deuxième plus grande ferme laitière du Québec. D'accord. Et l'objectif, c'était juste pour arrondir mes fins du mois. D'accord. Donc, j'ai décidé de travailler dans cette ferme et j'ai eu une passion pour l'agriculture parce que c'était une ferme laitière où il y avait 3000 vaches laitières. Oui. Je m'occupais de 400 veaux et la journée, on allait dans les champs pour cultiver du fourrage. Du fourrage. Du fourrage de luzerne pour la nutrition des bêtes. Alors, c'est là où j'ai eu ma passion, moi, pour l'agriculture. Donc, je conduisais des tracteurs, il y avait beaucoup de mécanisation au niveau de la ferme. Mmh. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, voilà une perception de l'agriculture qui est assez différente de ce que j'avais l'habitude de voir, moi, au Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi l'agriculture, elle est paysanne, elle est précaire, elle est pauvre. Quand on parle d'agriculture dans nos pays sous-développés, on voit souvent une image qui est très difficile. Et ça n'attire pas trop notre jeunesse. Et donc moi, je me suis dit, pourquoi pas dupliquer le même modèle, peut-être pas aussi élargi, mais au moins à un certain niveau, et le développer dans mon pays. Connaissant toutes les ressources que nous avons déjà. On a énormément de terres, on a le climat qu'il faut. Dans les pays comme le Canada, bon, il neige quasiment 7 mois sur 12. Ouais. Et pourtant, ils arrivent à cultiver, à entretenir ces bêtes-là. Donc, je me disais qu'il y avait un potentiel. Donc c'est comme ça, en fait, l'aventure de Sénagriculture a démarré sur 5 hectares au niveau de Bayard. On a commencé à cultiver. Mm-hmm. Et bon, pour un peu expliquer aussi en même temps l'historique. La mise en place, voilà, au début, comment ça s'est passé? Tu es arrivé seul avec une équipe? Je suis arrivé seul. Seul d'abord? C'était seul d'abord. D'accord. Seul d'abord. Dans un secteur que je ne maîtrisais absolument pas au Sénégal. Il n'y avait pas d'accompagnement? Non. Du tout? Alors, j'ai essayé d'en avoir. Je suis parti fouiller dans pas mal de sites web l'accompagnement qu'on a ici au niveau du Sénégal pour les agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes qui veulent entreprendre dans ce secteur. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Un site qui donnait des informations de manière assez ponctuelle,
de manière assez, assez continue, il n'y en avait pas. Il fallait la chercher soi-même. Il fallait la chercher. Et en général, les derniers, les dernières actualisations, c'était... Moi, j'étais arrivé en 2015, donc les dernières actualisations, c'était 2014-2013. D'accord. Donc pour moi, c'était un problème. Si aujourd'hui, on veut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans l'agroalimentaire, et qu'on n'a pas les connaissances, comment on fait? Donc tout naturellement pour nous, c'était important de développer un deuxième service qui était la formation. Il y avait énormément de jeunes qui sortaient de l'ENSA, de certaines écoles ici et qui n'ont pas de, forcément la possibilité de pratiquer ce qu'ils ont appris. Et il y en a de l'autre côté qui veulent entreprendre et qui ne savent pas comment faire. Donc pour nous, on devait être un pont entre ces deux groupes-là. Et donc on a démarré les formations. Vous avez reçu combien à peu près de personnes? Depuis qu'on a démarré, avec nos propres moyens, on a pu former plus de 200 jeunes venant de toutes les régions du Sénégal et même de pays étrangers. C'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Et là, vous employez combien de personnes dans... Là, en ce moment, on est 11 personnes au niveau de la start-up. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont dans l'audiovisuel, dans le journalisme, dans l'agronomie. Et dans le management, dans l'administration. Donc c'est vraiment, et aussi dans les technologies de développement. Voilà, donc c'est pas mal de secteurs qui sont regroupés dans une plateforme et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de partage de connaissances, de compétences. D'accord. Et chacun découvre des compétences chez l'autre. Et voilà. C'est cette même équipe qui vous accompagne au quotidien sur le terrain. Comment ça se passe sur le terrain aussi concrètement? Alors, sur le terrain, ça dépend des services. Parce que pour les services de formation ou pour les services d'accompagnement, on retrouve plus l'équipe agronome. D'accord. On retrouve aussi l'équipe audiovisuelle au niveau des formations pour prendre des images, pour prendre un peu des vidéos pour les supports de communication. Et par contre, pour le travail de l'accompagnement, on a aussi l'équipe de développeurs parce qu'on développe aussi des technologies en interne, des applications mobiles. Des plateformes pour permettre à une personne, par exemple, qui bénéficie de nos services d'accompagnement, de mieux gérer sa ferme agricole à distance, qu'elle soit... Qu'il puisse... À l'étranger, par exemple, quelqu'un de la diaspora pourrait gérer sa ferme. Exactement, à l'étranger. D'accord. L'idée, en fait, c'est d'avoir un gérant dans son exploitation avicole, agricole ou d'élevage et d'avoir une application mobile qui permette aujourd'hui de pouvoir gérer sa ferme à distance. Alors, dans le cadre de la formation, par exemple, on offre des formations en ligne parce qu'on sait que moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer des milliers de Sénégalais, je pense plus de 6000 Sénégalais au palais des congrès de Montreuil. Mmh. Et la plupart des gens que je rencontrais, ils me disaient « on veut rentrer au Sénégal pour investir dans l'agriculture ». Et on s'est dit « bon, peut-être la technologie pourra nous permettre de briser cette barrière ». Tout à fait. Qui est la barrière de la distance, parce qu'ils sont à Paris, ils sont en Espagne, en France, au Canada, aux États-Unis. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup qui nous écrivent, ils veulent rentrer, mais ils ont un problème de formation. Donc, avec le e-learning qu'on a mis en place, ça leur permet d'avoir accès à ces compétences-là, de poser leurs questions à travers le web, d'avoir des réponses et de préparer, d'amorcer leur retour. Racontez-nous un peu les périples que l'entrepreneur que vous êtes. Alors, il y en a eu beaucoup. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Hein? Il y en a eu énormément. Je pense que la première chose la plus difficile, c'est de retrouver un pays qu'on n'a pas peut-être fréquenté. Après 15 ans, bon, on a pu s'intégrer dans un autre pays. On s'est habitué à vivre dans ce pays-là. Mon expérience professionnelle, je l'ai eue du Canada. Voilà, je l'ai eue à partir du Canada. Donc pour moi, c'était très, très, très difficile de revenir et d'entreprendre dans ce pays. Les valeurs ne sont pas les mêmes, les relations humaines ne sont pas les mêmes. Et vous n'êtes pas dit, je vais rentrer, faire comme tout le monde, me conforter à un salaire à la fin du mois, non. Ne pas prendre autant de risques, non? Non, pas du tout. Il fallait vraiment faire bouger les choses? Alors moi, j'ai toujours su que j'étais entrepreneur. Que vous étiez entrepreneur, d'accord. Parce que j'ai su ça très très tôt, juste pour une anecdote. Mm-hmm. Quand j'étais petit, mon père m'avait acheté un Game Boy. Ouais. Et après, par la suite, il m'a acheté une Sega Mega Drive. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que pendant les vacances de Noël et l'été,
je regroupais tous les enfants du quartier et je leur louais en fait. Voilà, donc j'avais une salle de jeu dans le salon de mon père, de mes parents. Quand ils partaient au travail, toute la journée, moi je faisais du business. D'accord. Donc là, quand ils faisaient 5 heures, tu arrêtes, j'arrête. Avant qu'ils voilà, arrivent. Donc ils rentraient. Et au bout de quelques mois, j'avais c'était une petite tirelire. Oui, une petite tirelire avec de l'argent. Wow. Et ma mère me demandait est-ce que tu utilises l'argent que je donne pour manger? J'ai mon business. Elle me dit, toi, tu as un business, toi? Alors c'est par la suite que je l'ai expliqué. Donc moi, j'ai su vraiment que je voulais créer de la valeur. D'accord. Et pour moi, le secteur agricole, c'est un secteur que les jeunes, ils aiment beaucoup, mais malheureusement, on ne leur montre pas le beau visage de l'agriculture. Quand on va dans certains pays, les agriculteurs, c'est des gens qui ont des moyens, c'est des gens qui arrivent de vivre de leur passion, c'est des gens, il y en a même qui sont riches, mais dans nos pays, à nous, c'est très compliqué de faire de l'agriculture. Donc nous, on voulait déjà changer cette image et après essayer de voir c'est où les blocages. Quand les trouvez-vous, par exemple, ces blocages? Dans l'accès à l'information, déjà. Comme vous l'avez dit, ouais. L'accès aux terres. Aux terres. Le financement. Les connaissances, c'est-à-dire être accompagné, savoir quelles sont les semences qui sont adaptables à nos types de sol. Le climat aussi. Ensuite, le climat, parce que je pense qu'on le voit tous, le climat commence à changer. Donc, ça demande de plus en plus de former les agriculteurs et de les préparer pour renforcer leur résilience par rapport à ces changements climatiques. Donc, il y a énormément de choses qui font que, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des millions d'hectares en Afrique. C'est ce que j'allais vous demander. On en a suffisamment pour exploiter? Oui, il y en a énormément. Dans pas mal de spéculations. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations qui peuvent se faire ici au Sénégal. On parle de le Sénégal est un pays qui peut développer l'arachide, la Côte d'Ivoire, le cacao, tel pays peut faire telle chose. Mais moi, je crois personnellement que en Afrique de l'Ouest, tout peut être fait. C'est juste que bon, avec les séquelles de la colonisation, peut-être on nous a un peu compartimenté, mais je pense qu'on est capable quand même dans tous les pays de produire ce qu'on veut produire. Et d'exporter. Qu'est-ce que vous faites avec l'État? Vous en parlez concrètement? Il y a des échanges? La relation qu'on a eue avec l'État, c'est juste avec la direction de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Où on a eu à accompagner cette direction-là dans le cadre d'un programme d'autonomisation des femmes. Excusez-moi. Et donc, c'est un programme qui nous a permis de constater que les femmes sont à 75% moteurs du développement agroalimentaire sénégalais. Ah, ça c'est bien ça. Donc la transformation agroalimentaire au Sénégal. Ça se fait par les femmes, à 75%. Oui, ça se fait vraiment par les femmes. Et donc elles font des choses intéressantes, sauf que là aussi on retrouve des problèmes de packaging, on retrouve des problèmes de labellisation. La transformation, c'est beaucoup de matériel aussi, ça demande du matériel, ça demande une organisation, une gestion managériale et une gestion du marketing. On a beaucoup de produits importés qu'on retrouve dans les chaînes de distribution, mais est-ce que c'est les meilleurs produits pour nous? Tout à fait. Même manière aussi, on retrouve ici beaucoup de nos produits, mais vraiment la base. La base. Si je peux citer le baobab, le moringa, etc. Mmh. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont bien travaillées à l'étranger. Donc pourquoi pas le démarrer ici? Ce qui est drôle, c'est qu'ils le prennent, les matières premières sont prises ici. Sont prises ici, en fait. Sont ramenées dans les pays développés, sont transformées et on les ramène pour nous les vendre. Je pense que tout le monde a pu constater ça. Maintenant, il faudrait. Ça demande, je pense, pour développer ce secteur-là, d'avoir un secteur industriel quand même assez fort. Assez fort, tout à fait. Avoir l'appui du gouvernement, mettre un écosystème pour ces femmes-là qui leur permettent de développer les activités qu'elles font. Tout à fait. Alors c'était dans cette dynamique qu'on avait la relation avec la direction de l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, je pense jusqu'à présent, c'est la seule intervention qu'on a pu avoir avec l'État. On a plusieurs fois cherché à les rencontrer, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage. Elle gagnerait aujourd'hui à s'entourer de tous ces jeunes qui entreprennent dans ce secteur. Bien ça sûr. Irait peut-être plus vite. Et on a besoin de notre jeunesse pour développer tous les secteurs de notre pays. Tout à fait. Et encore plus l'agriculture. Encore plus l'agriculture. Tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux, alors qu'on a énormément de terres à exploiter. Aujourd'hui, il y a des jeunes, par exemple, qui se lancent dans la culture rizicole, dans l'aviculture, dans la production laitière, et qui s'en sortent. On le voit avec le secteur de l'élevage des ovins, avec le ladum, la race de ladum. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'envient pas ceux qui sont partis immigrer, qui restent ici au Sénégal, avec ces races locales, qui réussissent à vivre de leur passion.
Donc, je pense que ça demande de structurer les filières, d'organiser tout ça et de pouvoir booster tous ces secteurs parce que les jeunes, ils veulent le faire. Ils veulent le faire. Mais il faudrait quand même, je pense, mettre un cadre et mettre en place un marché pour qu'ils puissent commercialiser et voilà. Et aussi les protéger contre les importations étrangères. C'est toute une politique. Oui, c'est toute une politique. Pour la diaspora qui vous contacte au quotidien, pour pouvoir rentrer aussi, vous en avez vu de bonnes vagues arriver de plus en plus? Alors, moi-même, je suis issu de la diaspora, donc je suis un bel exemple. Ouais. Mais on a énormément de clients au niveau de la diaspora, dans l'accompagnement, dans la formation. On a même des moments des pics quand c'est le mois de décembre ou quand c'est l'été au niveau de nos formations que nous faisons. C'est énormément de Sénégalais de la diaspora qui nous suivent. Alors on a noué un partenariat avec des associations au niveau de la France, au niveau de Paris, associations d'Ivoiriens à l'étranger, Maliens à l'étranger. On a même eu à rencontrer le ministre des Maliens de l'extérieur qui voulait en fait qu'on duplique le même modèle au Mali. D'accord. parce qu'il y a énormément de Maliens au niveau de la France. Tout à fait. Et ils voudraient que ces Maliens reviennent au pays aussi. Et qu'ils investissent dans le secteur primaire. Bien sûr. Donc le but surtout, moi je pense, c'est aussi d'accompagner cette diaspora parce qu'il ne faut pas la marginaliser. Il faudrait aussi l'intégrer dans le développement de ce pays. Et il y en a pour la plupart, ils ont les moyens. Mm-hmm. Okay? Donc ce n'est pas le financement qui est un problème. Qui marche, hein. C'est juste peut-être des mises en relation, les mettre sur les bonnes rails pour qu'ils puissent rentrer et savoir où mettre les pieds. Parce que l'agriculteur aujourd'hui, à part entière, c'est un entrepreneur. C'est ce que je dis toujours aux Sénégalais qui sont à l'étranger. Je leur dis, si vous venez au Sénégal pour entreprendre dans les secteurs-là, ce n'est pas pour être à temps partiel, voyager. C'est à plein temps. Il faudrait être là. Ça demande d'être là et d'être à 100% impliqué, imprégné de son projet. D'accord. Déjà, il faut réfléchir sur son projet de manière mûre, bien le développer et se lancer à 100%, pas à demi-mesure. Donc, si vous décidez de rentrer, faites-le vraiment pour démarrer votre projet et rester. Si vous voulez le faire à distance, ce sera beaucoup plus compliqué. On ne vous garantit pas le succès à distance. C'est possible, mais ça demande deux fois plus d'efforts. Sénagriculture vend ses produits dans le marché aujourd'hui africain? Alors, l'objectif, idéalement, ce serait de pouvoir structurer les producteurs, déjà, les identifier, les localiser, et travailler dans la commercialisation de leurs produits. Donc nous, ce que nous voulons, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup, on a eu à fréquenter le département de toxicologie au niveau des hôpitaux et de voir que la plupart des maladies sont causées par les pesticides que nous mettons dans les produits agricoles. Ah. Parce que jusqu'au dernier jour, il y a des producteurs qui ne savent pas qu'il ne faut pas mettre de phytosanitaire. D'accord. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est assurer aux gens qu'ils mangent des produits sains. Parce que Sénagriculture a fait l'accompagnement dans la production de ces produits-là. D'accord. Et idéalement, de travailler avec des chaînes de distribution. Ça, c'est notre objectif à long terme. D'accord. Mais d'abord, il faudrait identifier, localiser et, on va dire, appuyer techniquement ces producteurs. Et après, essayer de voir comment travailler avec des associations, l'association par exemple des producteurs horticoles des Niaï, des autres associations pour vraiment être dans la commercialisation. Très bien. En dehors de la partie donc, terrain agricole, vous avez mentionné tout à l'heure une partie web TV, vous faites aussi des magazines, même une télé-réalité. Comment ça se passe? Oui, alors on est dans la communication aussi. Pourquoi c'est important pour nous? C'est que je pense qu'on avait besoin de mettre en place un réseau de passionnés. D'accord. On avait besoin de mettre quelque chose en place pour nourrir la passion des gens qui veulent se lancer dans ces secteurs-là. Ça nous a permis déjà de travailler avec plusieurs autres entreprises qui voulaient avoir de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, travailler avec Sénagriculture dans la communication, quand on est une entreprise dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, c'est ne pas tirer dans le tas. Ouais. C'est parler à une audience bien ciblée. Ouais. Et ça nous a permis de mettre en relation des fournisseurs et des potentiels clients. Ça nous a permis de créer des audiences qui, plus tard, vont devenir des clients pour nos différents autres services.
Et ça nous permet aussi de savoir qui fait quoi, qui veut faire quoi, dans quelle région on fait quoi. Donc, de savoir un peu ce qui se passe. Donc, nous, derrière ces plateformes web, ça nous permet de comprendre un peu plus cette jeunesse face à l'agriculture. D'accord. Vous tournez essentiellement au Sénégal ou vous tournez aussi dans la sous-région? On est ouvert à tourner au niveau international. On l'a déjà fait avec des partenariats étrangers. D'accord. Mais on est ouvert à tourner à l'étranger. Le but, c'est vraiment d'abord de maîtriser à l'échelle nationale ce que nous faisons et de pouvoir apporter un impact réel et après de voir comment dupliquer ça avec les pays déjà limitrophes comme le Mali, la Guinée et voir comment dupliquer plus tard au niveau de l'Afrique. Ce sont des petites séries en forme de magazine. Le format, c'est 13, 26. Voilà, on a essayé d'adapter vraiment un format plus web. On s'est rendu compte que les jeunes, quand ils regardent Facebook, sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus intéressés. Ils sont beaucoup plus intéressés sur des petites vidéos, des petites capsules. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un contenu très bref, très riche, de courte durée. Et captiver l'attention de ces jeunes. Parce qu'on utilise les réseaux sociaux énormément. On se rend compte aujourd'hui pour parler avec les jeunes dans leur chambre, avec les cellulaires, il suffit juste d'être sur Facebook et ça se fait. Donc le digital, je pense, a fait ses preuves. Et nous, on s'est dit pourquoi pas utiliser le digital pour avoir une audience. Et vraiment, on va faire un petit retour sur votre dernier voyage, enfin pas dernier voyage, je suppose que vous avez voyagé entre temps, mais à Genève, vous avez pris part au dialogue des migrations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Avant peut-être de raconter un peu ce qui s'est passé là-bas, je vais prendre le temps de remercier l'Organisation internationale pour les migrations qui nous a invités. On a eu à représenter notre pays dans ce dialogue très important qui parlait des migrations irrégulières. Donc l'objectif de la participation de Sénagriculture, c'était de voir le modèle que Sénagriculture a posé pour donner un nouveau visage à l'agriculture africaine. Et donc nous avons partagé ce dialogue avec pas mal de pays, je pense plus de 100 pays présents. 100 pays. Africains, Américains, Européens. D'accord. Et Asiatiques. Et on a eu à remettre au centre la jeunesse. Comment aujourd'hui utiliser l'agriculture pour maintenir la jeunesse africaine dans l'agriculture. Dans leur pays respectif. Dans leur pays respectif aussi. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes avaient même comme background professionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient eu à être actifs dans des exploitations agricoles, qu'elles soient des exploitations familiales ou bien des exploitations d'entreprise. Et c'est dommage de laisser cette jeunesse partir en Europe vers un avenir totalement incertain et des fois même pour affronter la mort, bien sûr. Au détriment des millions d'hectares qu'ils laissent derrière eux et qu'ils pourraient exploiter. Ah, là, ouais. Donc l'idée en fait c'était vraiment de s'asseoir et de discuter sur le modèle que pas mal de start-up, pas mal de jeunes entrepreneurs sociaux en Afrique, au Népal, en Inde, pas mal de choses que des gens font pour essayer de redorer un peu l'image de l'agriculture dans les pays sous-développés. Et c'est en ce sens que Sénagriculture a participé. Et on a parlé, je pense qu'on a partagé nous notre expérience et notre vécu dans ce pays. Tout à fait. Nous avons eu l'opportunité d'acquérir 50 hectares dans une région qui s'appelle Durbel, dans une localité qui s'appelle Bogo, qui était avant une localité qui regroupait des exploitations agricoles. Et ces exploitations agricoles servaient à produire non seulement de l'arachide, à le vendre et à construire une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'idée, en fait, c'était de voir comment redynamiser ce pôle d'exploitation agricole. Et on a commencé avec des jeunes qui savaient cultiver que des cultures céréalières, donc le mil, l'arachide, l'haricot. Et donc on a fait une campagne avec eux, on a vendu les récoltes, on leur a redistribué les recettes pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et après, on les a amenés dans la zone Bignaï, qui est une zone beaucoup plus fertile pour l'horticulture, et pour leur apprendre comment
faire le maraîchage, les cultures de légumes, de fruits et tout. Ça leur a plu. Et ça leur a beaucoup aidé. Parce que pour moi, c'était inconcevable d'avoir des agricultures qui n'ont comme compétence que les cultures céréalières, quand le sol sénégalais en général est riche pour tout d'autres choses, bien sûr. Et donc, ils ont fait des cultures assez intéressantes, ils ont appris. Et c'est même par la suite, dans cette incubation, qu'on a su que pour la plupart, ils voulaient s'adonner à l'immigration. Ah. C'était, pour moi, c'était. Je me suis senti assez utile. Bien sûr. De les garder ici. De les avoir gardés. Donc, il y en a qui nous ont raconté qu'ils ont eu à travailler dans des champs indiens. Peut-être je ne vais pas dire le nom, mais c'est des champs indiens ici au niveau du Sénégal. Mm-hmm. Donc, ils prennent leur sac, ils transhument à la recherche d'une exploitation ou d'un chef d'exploitation qui va potentiellement les prendre comme des ouvriers. Et une fois qu'on leur a appris les méthodes horticoles, ils sont retournés dans leur village. Oui. Ils ont démarré des cultures avec l'aval de la sous-préfecture. Et ils ont pu avoir accès à l'eau du forage du village, mm-hmm. pour démarrer leurs activités horticoles. Aujourd'hui, c'est des gens qui produisent et qui vendent directement dans la ville de Touba leurs fruits et légumes. Et nous, c'est quelque chose qui nous a. Et c'est du social, hein. Il n'y avait vraiment pas du business Donc derrière. Vous êtes, mais l'idée, c'était vraiment de voir comment essayer d'impacter des jeunes dans le monde rural. Et je pense qu'on a fait beaucoup de publications là-dessus, ce qui nous a valu même notre participation. On a raconté cette expérience. On a aussi parlé de tous les jeunes qui viennent au niveau de Dakar, ouais. qui est, je pense, la première étape de la migration, ouais. l'exode rural. Ouais. Et on a aussi parlé, on a créé au niveau de Genève, nous, un nouveau concept qu'on voudrait appeler l'exode urbain. C'est-à-dire comment des jeunes de Dakar, des jeunes de Thiès, des jeunes des zones urbaines, comment on pourrait intéresser ces jeunes-là à acquérir des terres en milieu rural, à démarrer leur exploitation et à recruter des jeunes des villages environnants. Ça crée de l'emploi. Bien sûr. Ça crée et un ça échange. Ça évite aussi de ça permet d'émigrer. Exactement, ça évite la migration, mais ça évite aussi aux jeunes des zones urbaines d'être totalement ignorants de ce qui se fait dans le monde rural. Ibrahim, ton dernier message à tous qui te regardent ce soir. Alors, mon dernier message, c'est un message de... Surtout pour la diaspora. Surtout pour la diaspora. Que tu n'oublies pas. Que je n'oublie pas. Alors, surtout pour la diaspora, je les encourage à revenir. Mm-hmm. La diaspora, qu'elle soit africaine ou sénégalaise particulièrement, à rentrer, mm-hmm. à venir entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses non faites. Le Sénégal a besoin de ses enfants au niveau national et international. Dans tous les pays où on va, on constate que les Sénégalais sont très bien placés. Ils ont un niveau intellectuel quand même assez élevé. Les Sénégalais, je pense que ont beaucoup de choses à faire valoir à l'international et pourquoi pas à l'échelle nationale. Et nous les Africains, on est les seuls à pouvoir changer le destin de l'Afrique. Mmh. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue sexy. Les Européens sont là, les Américains sont là. Les ressources naturelles, on parle de pétrole, de gaz. Mmh. Mais moi, je pense qu'on ne mange pas le pétrole et on ne respire pas de gaz. Par contre, on se nourrit des produits agricoles. Donc, il faudrait revenir et entreprendre dans l'agriculture, entreprendre dans l'élevage, l'agroalimentaire, créer un secteur industriel fort. Et ça, je pense qu'on a un des plus gros actifs, c'est les ressources humaines et une jeunesse qui peut le faire. Donc, il ne faut pas qu'on loupe ce virage. Il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette. La jeunesse a sa responsabilité. Les acteurs privés ont leur responsabilité. Les organisations non gouvernementales ont leur responsabilité. Mais surtout, l'État doit mettre en place un système, un écosystème, un environnement favorable pour que cela puisse se faire. Voilà. Le message est fort. J'espère que vous l'aurez tous entendu et compris. Je te remercie. Hein, Merci beaucoup encore une fois. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un autre tête-à-tête, un autre sujet, bien entendu, un autre invité. Merci.